Marseille, 5 janvier 1973, rue des Fabres. En plein jour, un inspecteur de la sûreté est abattu froidement. À Marseille, comme dans la plupart des grands ports méditerranéens, les truands vivent depuis toujours comme des poissons dans l'eau. Mais un phénomène nouveau s'impose depuis une quinzaine d'années, la multiplication des gangs sauvages. Leur lieu d'origine, les grandes cités du nord de Marseille. Leurs objectifs, les banques. Mais ces jeunes ont la gâchette facile. Leurs coups sont souvent mal préparés et la peur les fait se défendre par tous les moyens. 2006, la vie de voyou est toujours la même. Parce que si la forme change, le fond reste le même. Les plus vieux te nourrissent avec du vice dans le biberon. Et malgré ton jeune âge, tu vas chercher le seum en litron. Faire le passeur, c'est comme ça que ça commence. Et tu t'imposes, tu t'endurcis dans la délinquance. Dans la vie de voyou, les lois on les bafoue. Plus on est de fous, plus on se remplit les fouilles. L'argent facile dicte sa loi. Pour les scarlas, ce qui compte c'est les scalpas. Matza. On se restreint pas niveau dépenses, on prend du bon temps. Le milieu sera toujours présent, et ce pour longtemps. Les journées se passent d'un lieu de consommation à un autre. À peine arrive-t-on que ces grandes ouvertes que sont les portes. Resto haut de gamme, bistrot de luxe, café bourgeois. Boîte de nuit VIP avec sous le bras une fille de joie. Les trois quarts de l'argent sale est ainsi gaspillé. Les histoires des gangsters notoires font le tour de la ville pour rien, ça se flingue sur le trottoir. Mais attention, on tombe toujours sur plus fort que soi. Garde toujours tes arrières quand tu rentres le soir. Toi qui te sens voyou en herbe, tu crois que le milieu c'est de l'honneur, mais le milieu c'est de la gerbe. Sur le long terme, les fleurs du vice fanent mais jamais ne germent. Toi qui te sens voyou en herbe, tu crois que le milieu c'est de l'honneur, mais le milieu c'est de la gerbe. Sur le long terme, les fleurs du vice fanent mais jamais ne germent. Quand je chope la Provence, je vais direct en bas de page pour me mettre au courant des derniers braquages, des repassages et des brassages d'argent sale. Dans le milieu, il n'y a que très peu de gens sages. Qui a fait ce coup? Que veux-tu que j'en sache? Tu t'en tiches d'une armée d'indiques, nous on les chasse. Les choses ont changé, t'as balancé. Tu te feras buter par n'importe quel lâche qui s'est un peu avancé. Les balances sont légion. Peu importe la région, elles ont infiltré toute une génération. On risque tous la prison, ça accroît la tension. Les voyous ne sont plus que des marginaux sous pression. Et puis y a les filatures, les inspecteurs enquêtent et de boucle pour un flingue à la ceinture. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver à l'ombre. Fini le fric et les filles, c'est derrière des barreaux que tu t'allonges. Arrête mec, la prison c'est comme le racket, faut faire avec. C'est juste un peu de pression en plus qu'on t'injecte. T'y rentres, t'en sors, t'es endurci, tu te sens prêt, estanquer la voyou crassie. L'encul à quatre pattes te la farcir, on te rattrape. Et c'est soit la grosse peine qui t'écarte du terrain, soit une peine de quelques mois qui te frappe, qui t'envoie en stage dans la gloire de l'ombre carcérale. Dans ce cas-là, sortie, tu tires, mais car c'est rien. Tu te dis que la prison n'est qu'une étape qui ralentit un peu ton ascension. Entre la gamelle et le mi-temps, c'est d'incessants allers-retours, attention. Peu importe, on se fait des relations, des contacts et même une réputation. La prison fait verser des larmes à l'extérieur et du centre, c'est mûr. Le milieu, c'est dur. Toi qui te sens voyou en herbe, tu crois que le milieu c'est de l'honneur, mais le milieu c'est de la gerbe. Sur le long terme, les fleurs du vice fanent mais jamais ne germent. Toi qui te sens voyou en herbe, tu crois que le milieu c'est de l'honneur, mais le milieu c'est de la gerbe. Sur le long terme, les fleurs du vice fanent mais jamais ne germent. Est-ce que tu connais le vice d'un trafic de schnouf, la rage d'un braquage, la violence des machines à sous? Car c'est cela qui fait une vie de voyou, celle-là même qui t'attrape par les boyaux et transforme ton cerveau en bayou. Le cannabis c'est pas bien compliqué, ça rapporte gros et rapidement c'est facile de monter. Seulement faut les connexions et une véritable organisation. De plus si on t'attrape ça peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Les plus barjots opteront pour le braco. Un peu de courage, une équipe des armes et ça braque trop. 10 ans de prison, pas grave c'est pas trop. Les balles perdues on les évite comme des raccros. Et puis y a les machines à sous. Simple et efficace, dans les bars, tu les places et chaque semaine, c'est ton bif que tu ramasses. Au maximum, tu chopes 3 ans de placard, et encore, faut que le juge soit un bâtard. Le problème des machines à sous des baraques, c'est qu'il faut sans cesse tenir le terrain, car ça barre grave pour une place ou une carna. C'est des balles que tu reçois sur la piazza, à toi de faire ton choix. Les filières, c'est pas ce qui manque, le vol, la drogue, les jeux, t'as le choix. Et tu pourras faire du gros racket si tu prends du poids. Et pourquoi pas braquer un fourgon si t'as les noix? Et pourquoi pas un trafic à la tonne si t'as les bases? La plupart sont conscients qu'ils finiront d'une balle dans la tête. Mais peu importe, puisque l'important c'est de briller. Alors tête baissée, on se jette dans la brèche.
Il y a tout dans le milieu des pailloux, des nègres, des manouches, des crouilles. Brouille de sortir tes couilles sur la table si tu veux éviter les coups. Bien qu'on te dessoude, tu vas devoir en découdre avec la justice si tu veux pas de numéro d'écrou. Il y a tout dans le milieu des pailloux, des nègres, des manouches, des crouilles. Brouille de sortir tes couilles sur la table si tu veux éviter les coups. Bien qu'on te dessoude, tu vas devoir en découdre. La prison n'est qu'une étape, la mort violente n'est qu'un risque. Et tout ce qu'on fait, on le fait par amour du bise. Les liens sont les éclates, c'est avec un flingue qu'on rentre en piste. Et tout ce qu'on fait, on le fait par amour du vice. On entend partout que le milieu est mort, que les mecs n'ont plus de mental. Mais en fait, rien n'a changé, les règles sont toujours les mêmes depuis perpète. Je parle bien sûr de celles qui régissent la pègre. Y'a qu'une balle qui puisse te remettre les idées en place. Ou bien la prison est lâche. Parce que la prison est lâche. Parce qu'avoir de l'âge est rare.